Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui je pense que vous le verrez au ciel entre deux averses, je pense que vous avez vu les autres vidéos, d'ailleurs je vous invite grandement à aller voir les autres vidéos qu'on a fait ce mois-ci. Je pense que vous l'avez vu depuis deux mois, enfin trois mois maintenant, on essaie de vous faire deux tutos tous les mois, enfin la formule de vidéo a changé. Donc je vous invite grandement à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube pour voir s'il y a des vidéos qui peuvent vous intéresser. Je vous le demande pas souvent, même si là je vous le demande dans toutes les vidéos. Si la vidéo vous plaît, j'insiste bien, si la vidéo vous plaît, on ne vous force pas en tout cas. N'hésitez vraiment pas à bombarder la barre des pouces bleus, ça nous aide pour le référencement. Ça vous prend quelques secondes et puis ça nous permet de voir que ça vous plaît tout simplement. Et si elle vous plaît pas, le petit pouce rouge, un petit commentaire pour nous expliquer pourquoi. On est ouvert à tout, ne vous inquiétez pas. Deuxième tuto, le premier je vous l'ai fait sur le popper et là on va faire plus sur une technique. Je pense que vous le voyez en main, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Moi, je vois à l'époque où j'avais ma chaîne YouTube, ça nous... Je pense que une question sur trois, c'était là-dessus, le casting. Donc là, ça va vraiment être une vidéo généraliste. Je ne vais pas rentrer de ouf dans les détails, mais une vidéo vraiment sur qu'est-ce que le casting et un peu comment débuter en casting. Parce que du coup, c'est quelque chose qui est assez obscur comme pêche, si je puis dire, en France. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Les marques ne sont pas très bavardes là-dessus. Je trouve ça très dommage. Donc heureusement, il y a YouTube. Maintenant, il y a beaucoup de YouTubeurs qui l'ont fait. Hein. Je pense à Skarna, je pense à Amine. Voilà, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont fait des tutos là-dessus. Donc je vous invite aussi à aller voir les leurs. Hein. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le casting, déjà, c'est quoi le casting? Pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas, je pense que vous l'avez déjà remarqué sur une canne spinning, donc les cannes classiques, les anneaux sont vers le bas. Déjà, c'est la première chose que vous allez remarquer. Là, si là, je mets les anneaux vers le bas, le moulin est en bas, donc ça ne marche pas. Le casting, les anneaux sont en haut. Les anneaux sont sur le haut de la canne. C'est déjà ça, la première chose. Et ensuite, la chose qui frappe, c'est tout simplement le moulinet. Pour faire très simple, un moulinet casting, simplement, c'est un treuil. C'est un moulinet à tambour tournant. C'est vraiment, je pense que si vous voyez le treuil que vous avez des fois attaché à l'avant des 4x4 ou des fois sur certains camions, c'est le même principe. C'est tout simplement un tambour tournant avec une manivelle sur le côté. C'est beaucoup plus simple en fait, tout est dans l'axe et donc c'est ça qui fait vraiment la particularité du casting, c'est cette forme de moulinet, le fait que ce soit un treuil. Ensuite, l'autre particularité qui fait que c'est compliqué malheureusement quand on débute, c'est les freins. Sur un moulinet spinning, vous avez un seul frein, le frein de combat. Celui qui fait que quand un poisson tire, votre bobine se met à tourner dans l'autre sens et le fil part. Là, sur un moulinet casting, des freins, vous en avez trois principalement. Vous avez le frein de combat, qu'on va appeler le frein en étoile, qui est ici, tout simplement. Donc celui-là, c'est la même chose. Vous voyez là, quand je tire, là, imaginons que j'ai un poisson qui tire, vous voyez, mon moulinet se dévide. L'autre particularité de ce frein de combat, c'est que vous voyez, il ne fait pas de bruit. Sur les moulinets spinning, vous avez le tzzz. Là, sur un casting, il n'y a pas de bruit. Le seul bruit que vous allez entendre, c'est votre tresse. Parce que quand ça tire fort, la tresse quand même fait du bruit, vous l'entendez craquer. Mais voilà, donc ça, c'est le premier frein. Le frein de combat, frein en étoile. Ensuite, vous allez avoir le deuxième frein, qui est toujours ici, c'est toujours une petite molette. Lui, généralement, il s'appelle le frein de friction. Lui, en gros, c'est un frein mécanique, et c'est un frein qui aide beaucoup, honnêtement. Mais en gros, ce frein, il porte bien son nom. Quand vous allez le serrer, ça va venir appuyer, en fait, sur la bobine. Et tout simplement, ça va la freiner tout le temps. Donc, l'avantage, c'est que par contre, ça la freine tout le temps. Donc, du coup, vous allez éviter de faire des perruques. Mais par contre, vous allez perdre énormément en distance de lancer. Je vous en reparlerai après de ce frein-là, parce que pour débuter, il est très utile. Le dernier frein, c'est le frein qui va être ici. Donc, lui, c'est vraiment le frein le plus efficace sur un moulinet casting. Donc, là, il va y avoir deux types de freins. Le frein à ma slot. J'essaierai au pire de vous mettre un petit incrusté dans la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est des petits points, en fait, que vous allez déplacer qui vont vous permettre de freiner la bobine. Principalement à l'accélération et à la décélération. C'est l'avantage de ce frein-là. Et ensuite, vous allez avoir comme ici un frein de type magnétique. C'est les freins les plus simples à régler, mais par contre, c'est les freins qui vont demander d'investir un peu plus. Un bon frein magnétique, ça coûte théoriquement plus cher. Mais voilà, moulinet casting, il faut mettre un peu le prix. Hein. C'est pas comme un moulinet spinning, il faut plus aller tabler dans les 150-200 euros, au moins 150 pour avoir un moulinet correct. Donc au niveau des freins, je pense vous avoir tout dit. Je vous le rappelle, celui-là, c'est principalement accélération, décélération. Et ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans la pratique. Sur un moulinet spinning, pour déverrouiller votre fil, pour que votre fil puisse partir, vous avez le pick-up, la chose en métal que vous ouvrez. Là, vous avez une gâchette qui est ici. Tous les moulinets casting sont faits de la même façon. Vous appuyez, et là vous le voyez, d'un seul coup, ça se met à tourner, c'est un tambour tournant. Là en plus j'ai un leurre lourd, donc d'un seul coup ça se met à tourner. L'autre grosse particularité qui va aller avec le fait d'appuyer sur le pick-up, enfin d'appuyer sur la gâchette, c'est tout simplement, en casting, je vous le dirai jamais assez, la chose la plus importante, en fait, c'est votre pouce. Votre pouce, c'est le meilleur des freins. Vous avez trois freins sur un casting, mais le quatrième frein et le plus important, c'est votre pouce. C'est lui qui va vous permettre de desserrer tous les freins et de pouvoir lancer plus loin et de pouvoir être plus à l'aise, c'est votre pouce. Il faut toujours que votre pouce soit effleure la bobine, que vous sentiez la tresse quand vous lancez. C'est ça qui va vous permettre de rattraper les perruques, de rattraper un lancer trop appuyé, c'est vraiment votre pouce. Je vais vous montrer très rapidement sur un lancer. Mais imaginons
que par exemple, alors on va faire lancer en pitching pour être sûr de bien lancer, mais imaginons que je lance un peu trop loin, hop, j'appuie, je bloque avec mon pouce et du coup j'arrête mon lancer. Et ça va être ça, je vais vous en parler juste après, le principal avantage sur une canne casting, tout simplement, c'est ce pouce. C'est ça en fait qui fait l'avantage. Le casting va vous permettre d'être précis. Je peux réguler ma distance de lancer. Donc théoriquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer trop fort et au dernier moment, on va pouvoir freiner justement pour arriver au bon endroit. Je vais essayer de vous remontrer. Hop là, là on fait un lancer et là hop, je freine et j'arrive juste à côté de la bordure. Mais voilà, vous le voyez, je freine vraiment avec mon pouce. C'est ça le plus important. Ensuite, le casting, à quelle pêche ça va se destiner? Là, je pense que vous le voyez, pêche big bait. Ça va pas être à 100%, mais je pense qu'à 90% du temps, la pêche big bait, ça va être pour le casting. C'est plus agréable, les moulinets sont faits pour endurer. Alors, il faut un moulinet big bait. Hein. Les moulinets sont vraiment faits pour endurer des charges beaucoup plus lourdes. Ils sont faits pour ça. Ensuite, les autres types de pêche, ça va être pour tout ce qui est power fishing, crank, spinner. Vous avez vraiment des cannes qui sont faites pour ça. Ça va vous permettre de lancer plus vite. Parce que je pense que vous voyez, quand je fais mon lancer, il y a que hop, je fais ça, je ramène. Je relance direct. Vous pouvez vraiment lancer très vite, pêcher très vite en casting. C'est l'un des gros avantages avec cette pêche-là. C'est vraiment une pêche très rapide comparée au spinning. Ensuite, l'autre avantage, j'y pense maintenant, c'est vraiment pour les pêches de bordure. Donc, quand je veux pêcher une bordure, bah, par exemple, là, imaginons que je veux pêcher toute la bordure en face. Je vais pouvoir être très précis en casting. Je vais pouvoir être très précis et très discret. Là, j'ai un leurre lourd, mais imaginons que j'ai un leurre de 15 grammes. Quand vous allez vous habituer, vous allez vraiment pouvoir poser votre leurre quasiment sans faire de bruit. Donc imaginons que vous avez des basses stationnées sous la bordure un peu timides. En spinning, vous allez arriver en mode gros bourrin, le poisson il va avancer, il va se barrer. Là, vous allez vraiment pouvoir faire un posé délicat à l'endroit où vous voulez. C'est vraiment ça aussi le gros avantage quand vous pêchez en casting. Ensuite, après, il y en a certains qui pêchent en léger, ce qu'on appelle en bait finesse. Personnellement, je vous le recommande pas. C'est vraiment quand vous allez être expert. Mais voilà, si vous voulez débuter le casting, ça va être big bait. Big bait, honnêtement, je vous recommande. Ou sinon, des pêches MH, donc vous prendre une 10-40, une 15-60, une 15-50. Ne commencez pas à pêcher en casting avec des leurres légers. S'il vous plaît, ne faites pas ça, vous allez vous dégoûter. L'autre conseil, c'est prenez du matos un petit peu cher. La canne, c'est moins important. Une canne à 70, 80, 100 euros fera tout à fait l'affaire, mais le moulin, mettez-y un petit peu plus d'argent, au moins 150 euros. Partez sur des marques reconnues. Abu Garcia, Shimano, Dewa, Luz, ces quatre marques-là, voilà, n'allez pas sur des trucs exotiques. Voilà, prenez vraiment du matos qui est recommandé, que vous voyez un peu partout, vous ne serez pas déçu. Et surtout, au début, serrez vos freins. Vous mettez votre frein magnétique au max. Et ensuite, l'autre frein de friction, en fait, pour le régler, il y a une technique toute bête, c'est que vous mettez votre leurre en haut, et en gros, vous lâchez. Et normalement, votre bobine, là vous voyez, ça commence à faire une petite perruque. Votre leurre, quand il touche l'eau, la bobine doit s'arrêter. Donc là, je vais le serrer, vous allez voir. Là, là vous voyez. Je vous remontre. Hop. Donc là, je l'ai même presque trop serré. Mais l'avantage, c'est que là, je vais vous faire un lancer. Là, c'est impossible de faire une perruque. Donc, je lancerai beaucoup moins loin. Là, honnêtement, j'étais pas au max, mais presque. Mais par contre, c'est impossible de faire une perruque. Là, je ne peux pas faire une perruque en faisant ça. Et ensuite, petit à petit, quand vous allez... vous habituez à la pêche, vous allez en priorité desserrer votre frein de friction, celui-ci, le petit, et ensuite vous allez desserrer tout doucement votre magnétique. Au début au max, vous enlevez 2, 3, 4 crans, jusqu'à la limite, jusqu'à temps que vous vous habituez. Si vous voulez pêcher la truite, si vous voulez pêcher des petits leurres, ne prenez pas du casting. Donc là-dessus, écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, si ça vous plaît, dites-moi le dans les commentaires. J'essaierai de vous faire des vidéos plus détaillées vraiment sur des points spécifiques, genre réglage moulinet, lancer, choisir sa canne, vraiment détailler plus. Que là, je me doute bien que c'est un peu trop généraliste. J'essaie de vous faire ça assez rapide pour pas faire une vidéo trop barbante. Mais voilà, en tout cas, dites-moi le dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse vraiment une vidéo réglage moulinet, une vidéo choix de la canne, une vidéo bien lancer en casting, une vidéo avec quelle heure, enfin voilà. Je pense que vous avez compris. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus si la vidéo vous a plu. L'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des améliorations, si vous trouvez que j'ai oublié quelque chose ou que quelque chose en tout cas ne vous convient pas, dites-le en commentaire. Nous, on va continuer en espérant ne pas prendre la pluie et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.